Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de faire un petit comparatif entre la Mega Drive Mini, donc la vraie dans sa version japonaise, et ici le boîtier de RetroFlag, le boîtier Mega Drive, qui lui n'est dispo que dans sa version japonaise à ma connaissance. Dites-moi si je me trompe par le biais des commentaires. Mais je ne pense pas, je pense qu'on a que la version japonaise qui est dispo. Alors ce boîtier, ben, à quoi il sert Il sert à mettre un Raspberry Pi à l'intérieur pour faire votre propre console euh, d'émulation. À base, par exemple, de rétropie, euh, etc. Donc, euh, c'est un truc qui est plutôt sympa en fait. Et donc, euh, bah, dans cette vidéo, on va voir un petit peu les différences, le jeu des sept différences. Et c'est parti La reproduction est vraiment chouette dans les deux cas. Alors, vous vous souvenez, je vous avais fait une petite vidéo là-dessus, je la mettrai en pastille et en lien dans les commentaires sur cette Mega Drive Mini. Et pour le coup, au niveau physique, hein, sur le plan purement matériel, la reproduction est absolument parfaite. Hein. Par rapport au modèle d'origine, il n'y a rien à dire de, de, du tout, du tout. Et donc là, euh, côté rétroflag, bah forcément, on s'est pris des petites libertés. Hein, par exemple, à la place ici de la mention Intelligent Terminal, ici on va marquer bah rétroflag. Et là, for all of us, yes, ils ont un petit peu adapté les phrases. Également les Power et On qui sont beaucoup plus gros que sur la véritable Mega Drive, enfin également que sur la Mega Drive Mini. Mais comme la reproduction est parfaite, on peut vraiment comparer. Et là, ils se sont tapé le délire d'écrire Case donc euh, avec la police de caractère Sega. Euh, et d'écrire Megapi juste devant au lieu de Mega Drive. Donc voilà ça c'est les, les petits délires qui se sont octroyés. mais dans l'ensemble, euh, bah, les reproductions sont très bonnes dans les deux cas. Alors ici on a l'ouverture pour le slot cartouche qu'on ne retrouve pas ici. Donc ça ça va être une des premières différences à part les caractères qui sont à part les impressions qui sont différentes. Alors il y a une autre différence. Et là, moi, c'est mon petit délire parce que, écoutez, franchement, quand j'étais gamin et que je ne connaissais pas la Mega Drive, j'étais convaincu que ici, ça pouvait s'ouvrir et qu'à l'intérieur, on allait pouvoir mettre un CD. En gros, voilà, c'est pas, pas inventé le Mega CD avant l'heure, mais moi, j'étais convaincu que bah, ça servait à ça, quoi, en fait, et que ce design était utilisé pour ça. Eh bien, en fait, là, euh, ils ont presque poussé le vis jusque-là, puisque avec euh, ici cette touche de le potentiomètre de du volume, qui à l'époque servait à la prise casque qui était en façade, eh bien, ici, il sert de bouton et et c'est marqué dessus et quand on fait ça et ben ça s'ouvre alors pas pour mettre un lecteur cd mais ici tout simplement pour mettre vos cartes au format micro sd puisque donc on va mettre un Raspberry Pi à l'intérieur comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà on pourrait on aurait pu imaginer une Mega Drive ou pourquoi pas une Saturne qui reprenne exactement le design de la Mega Drive mais qui propose d'y insérer un CD de cette manière ça aurait été vraiment fun et finalement bah, c'est bah, des années plus tard Retro Flag qui aura concrétisé l'idée non pas pour y mettre un CD mais pour y mettre des cartes mémoire ce que je trouve vraiment très très rigolo pour le côté fun, alors ici on a la LED d'allumage, ce qu'on retrouve également du côté de la Mega Drive Mini officielle en façade. Bah les deux ports USB, donc normal quoi, classique. Alors je l'ai pas dit dès le début, alors pourtant c'est quand même le premier truc qui sautait aux yeux. Le boîtier de Retroflag est légèrement plus petit en termes de superficie de haut, mais par contre il est également plus large, et eh oui, parce que dedans il va falloir mettre un Raspberry Pi. Donc finalement la reproduction est un peu moins fidèle en termes de proportions, cette Mega Drive a finalement de l'embonpoint, elle est beaucoup plus euh, épaisse que le modèle original en termes de ratio je parle évidemment le modèle original évidemment est beaucoup plus épais mais euh, disons que à surface égale la Mega Drive de Retroflag aurait dû être un peu plus petite mais ça n'aurait pas permis d'y mettre le Raspberry Pi dans de bonnes conditions d'où la contrainte technique alors ensuite qu'est ce qu'il y a encore à dire bah on va trouver ici la touche d'allumage également de ce côté là finalement pas grande différence à ce niveau là évidemment à l'arrière il y aura par contre pour le coup des différences c'est qu'on va avoir hop on va enlever ça Ici, un petit euh, slot qui permet d'accéder à la prise réseau. Hein. Euh, elle n'est pas ici apparente sur le, le corps de la, du, de la coque. Alors qu'ici, par contre, l'ouverture permet de mettre le fameux... Tower Mini que je vous ai montré en détail dans une autre vidéo qui va venir s'insérer là, euh, c'est donc le slot d'extension qui permettait d'y adjoindre un lecteur CD à cette fameuse Mega Drive. Voilà, si je la tourne dans le bon sens, ça va mieux. Alors ensuite, eh ben, au-dessus sur le boîtier de RetroFlag, forcément une entrée US micro USB, puis la sortie HDMI, la sortie audio. Alors bien sûr, ben là pour l'instant il n'y a rien, la coque est vide, hein, Et d'ailleurs on peut peut-être s'amuser éventuellement à la démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va trouver donc toutes les interfaces permettant de brancher un Raspberry Pi 3 ou 3B dans de bonnes conditions. Ici on a également la touche reset euh, qui pour le coup est une vraie touche et qui va comme vous le voyez ici appuyer sur la touche euh, bah, reset qui se trouve à l'intérieur du boîtier et là on a ici le connecteur d'alimentation puis ici des petites prises du pont histoire d'ajouter un ventilateur si on le souhaite. Voilà différents euh, différentes trucs qui sont vraiment chouettes. Encore une fois, un boîtier très bien conçu par nos amis de chez RetroFlag, vraiment du très très bon boulot, à s'apprêter que maintenant il faudra sortir une nouvelle version du boîtier pour le Raspberry Pi 4 qui présente quand même pas mal de différences. C'est quand même une grosse évolution du Raspberry Pi donc qui ne pourra plus s'insérer à l'intérieur de ce boîtier-là. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Il s'agissait de l'ensemble des différences entre la véritable Mega Drive Mini et le boîtier Raspberry Pi signé RetroFlag. Salut à tous